Oui, les cahiers de sortie et ils mêlent le plaisir aux affaires. Nous avons les dernières infos sur le couple royal. Les nominés pour les Screen Actors Guild Awards annoncés, vos favoris sont-ils dans la course? Channing Tatum parle de son rôle top secret, pourquoi l'acteur a-t-il dû se pincer sur le plateau? Kris Jenner parle de son nouveau petit-fils, notre rencontre exclusive avec l'incroyable matriarche. Les acteurs de Star Wars, le réveil de la Force s'amuse, nous avons les détails. C'est E-News. Dans votre dose de culture pop, Taylor Swift finit l'année en beauté et Ben Affleck fait beaucoup parler de lui. Nous avons les détails. Le visage éternellement jeune de Ben Affleck, 43 ans, fait courir les rumeurs. Et on se demande si l'acteur s'est fait des injections de Botox. Après sa séparation avec son ex-femme Jennifer Garner, bon, peut-être qu'il a juste de bons gènes. Mais avec sa photo récente de Batman, où il est couvert de bandages, certains se sont dit qu'il s'était fait refaire le nez. Relax, c'est pas le cas. Le joli visage de Ben est caché pour un rôle. Il tourne son dernier film, Live by Night, à Los Angeles et a le visage bien amoché. Et la dernière mode de la chirurgie plastique arrondit les popotins. Grâce aux fesses des stars comme Kim Kardashian West et Nicki Minaj, les chirurgies d'augmentation de fesses ont augmenté de 86%. Le popotin de Kim est le plus demandé de toutes les célébrités et la belle Gigi Hadid a eu une surprise sexy quand sa pote Selena Gomez lui a donné une petite fessée au défilé de Victoria's Secret. On la comprend, non? Une frayeur pour la star de Modern Family, Jesse Tyler Ferguson. L'acteur a posté cette photo avec un sparadrap sur la joue, remerciant son docteur disant « On a enlevé le cancer de mon visage ». Jesse a aussi plaisanté avec l'équipe de maquillage de Modern Family disant « Bonne chance pour ça demain ». Billboard a nommé Taylor Swift artiste de l'année. Tyler a aussi reçu d'autres honneurs comme celui de l'album de l'année et meilleure artiste féminine. Elle a dit « Fais attention avec qui tu sors, tu veux pas donner la chance à quelqu'un de dire « J'ai couché avec la princesse Leia ».»